Bonjour, bonjour et bonne nouvelle année parce que je ne t'ai peut-être pas encore souhaité la bonne nouvelle année 2018. Je voudrais savoir, puisque tu es ici sur ma page Goudron Danse et que tu t'intéresses très forcément à la danse orientale, est-ce que tu peux me dire où tu en es? Est-ce que tu as déjà commencé des cours? Est-ce que tu as déjà fait des cours il y a des années? Tu voudrais t'y remettre? Est-ce que tu suis très régulièrement des cours et tu as envie de faire un bond en avant et de danser en public? Est-ce que tu as envie de devenir professeur de danse orientale? Ou est-ce que tu as envie de danser en public? Voilà, ah ben alors, ça m'intéresse très fort de savoir où tu en es. Parce que je vais te dire tout de suite pourquoi. Parce que moi, j'ai un projet. Tu vois, je donne cours de danse orientale depuis 30 ans, enfin plus ou moins 30 ans ici en Belgique, et j'adore ça. Et j'adore aussi de voir la transformation des femmes quand elles se mettent à danser orientale. Donc, si tu as déjà dansé, si tu as eu un prof qui a pu te transmettre sa passion, tu sais exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Et donc, mon projet, c'est ceci. Je vais dire pourquoi j'ai ce projet, ok? Parce que je donne mon temps est limité. Je donne des cours de Chandra, donc pour connecter les femmes au féminin sacré, et d'autres cours. Et j'ai aussi encore un job à mi-temps. Et ma grande passion étant la danse, j'aimerais bien donner beaucoup plus de cours. J'aimerais bien les donner à plein d'endroits différents. Par exemple, j'ai des amis tout plein en Allemagne qui me disent « Ah, Gudrun, donne-moi un cours !» Ou j'ai oui, des gens d'ailleurs qui voudraient que je vienne donner cours. Mais évidemment, je ne peux pas me déplacer pour une ou deux personnes. Et je ne peux pas non plus même louer une salle quelque part à Bruxelles pour une ou deux personnes, c'est clair. Et donc, comment est-ce que je peux joindre les personnes qui voudraient prendre cours avec moi? Et de 1, et apprendre la danse orientale, mais qui ne savent pas se déplacer, qui ont un planning très chargé. Eh bien, mon projet, et voilà, j'y arrive. Et je crois que c'est tout à fait une première ici en Belgique, peut-être même encore ailleurs. Je n'ai vraiment encore pas vu beaucoup de ça. Mon projet, c'est de t'inviter dans un groupe Facebook, un groupe tout à fait fermé, un groupe pour lequel tu devras payer pour rentrer dans ce groupe. Et dans ce groupe, tu reçois de ma part des cours de danse orientale. Tu auras dès le départ, quand tu rentres, les vidéos avec tout ce que tu dois savoir pour la base. Et puis, au bout de... Donc maintenant, on commence en février. J'ai encore vraiment techniquement à voir comment j'y réalise ça. Et février, mars, hein, on met les bases. Puis mai, juin, en avance. Donc tu auras, si tu viens dans ce groupe, un programme bien précis sur quoi on travaille, sur quel mouvement on travaille. Et tu t'exerces chez toi à la maison. Et une fois par mois, on fait un cours ici, ou enfin à Bruxelles. Tu peux venir, une sorte de mini-stage. Enfin, je vais encore vraiment prévoir. Je te dis, ça, c'est mon avant-projet que je te révèle ici. Et si ça t'intéresse, si ça te tente, inscris-toi tout de suite ici en dessous. Parce qu'il est évident que je ne vais commencer ça que s'il y a un minimum de personnes qui s'y intéressent. Hein. Donc, l'idée, c'est que tu puisses être dans un cours, dans un groupe Facebook fermé. Tu payes pour accéder à ce groupe, ce ne sera pas vraiment cher, ce sera vraiment pas cher, je vais le dire comme ça. Coucou! Donc le groupe est dans ce groupe, nous apprenons de février à mars les mouvements de base de la danse orientale. Oui? Donc si tu es une fois par mois, on se rencontre et je te corrige en direct. Il est très important quand on apprend un mouvement d'avoir un feedback, tu vois, parce que l'image qu'on se reflète dans le miroir. Souvent, c'est pas très gentil, le miroir, on n'aime pas beaucoup. Et tu as besoin d'un regard extérieur pour savoir si ce mouvement est vraiment dans la bonne énergie, s'il est bien fait, etc. Et souvent, moi, il suffit que je touche quelqu'un à un endroit et que je dis, voilà, fais-le comme ça, et ça passe. Ouais? Parce que quand même, après autant d'années, je sais exactement ce qu'il faut faire. Je sais expliquer ça de 36 000 manières différentes. Et je sais te transmettre cette joie de bouger comme ça, et cette magie qui est dans ces mouvements, vraiment. Donc, si ça t'intéresse de faire partie d'un mouvement comme ça, de rentrer dans le groupe Facebook, et même si je ne donne pas encore ici l'idée du prix, si ça t'intéresse dans l'idée, mets-toi ici en dessous, tu vas recevoir un lien pour pouvoir t'inscrire dans une liste d'attente, et dès que je lance ce projet, tu seras invité, et à toi de voir qui tu veux faire partie. Donc, je répète ça ici, mon idée, c'est de donner le cours
dans un groupe Facebook fermé, un cours pour lequel tu vas devoir payer, de rentrer dans ce groupe et tu sauras sortir de ce groupe que tu veux. Tu vas recevoir tout de suite les vidéos qui te donnent toutes les bases pour pouvoir commencer avec la danse orientale. Et puis une fois par mois, on se voit offline. Alors si par exemple tu ne peux pas venir à Bruxelles parce que tu habites je ne sais pas où, à ce moment-là, ce que je proposerais en plus, c'est de faire un échange par vidéo. Tu vois, de faire une conférence en direct ici, comme ça, par vidéo, où les outils sont tellement multiples, où on pourra se voir. Tu me montres quel mouvement tu as pris cette semaine-là, et je te donne tout de suite un feedback pour te dire, écoute, fais comme ci, fais comme ça. Et je pense que ça devrait très bien marcher. Donc, je t'invite à mettre un commentaire ici en dessous pour me dire que cette idée-là peut être utile. Ou bien, quelle autre chose t'aimerais bien que je t'enseigne et que je te donne pour la danse orientale. En tous les cas, pour le moment, je me concentre sur les débutants. Après, on va voir comment ça évolue. Voilà, c'est juste vraiment le début de cette histoire et je t'invite à faire partie de ça et à faire en sorte que si ton rêve de danser la danse orientale est là depuis un petit moment, que tu puisses le réaliser et avec légèreté. Avec légèreté, avec beaucoup de plaisir. Je te souhaite donc un très bon après-midi et j'attends tes commentaires. À bientôt, bye bye.